Bonjour, mon nom est Jean-François, je suis propriétaire Le Miel d'Émilie et la sucrerie Beau-Rivage. On existe depuis 1980 à Saint-Sylvestre et notre spécialité, c'est de produire, transformer et emballer du miel et du sirop d'érable. Mon savoir-faire agricole, je l'ai appris avec l'expérience que j'ai acquise au fil des années. Bien entendu, l'apiculture, c'est une passion. Ça a débuté avec mon père qui s'est acheté 5 ruches en 1980, puis il m'en a acheté 5. Ça a débuté comme ça. Ensuite, j'ai pris mon cours à l'ITA de la Pocatière comme gestionnaire d'entreprise agricole. Et par la suite, j'ai fait des formations en apiculture plus spécialisées. Donc, depuis ce temps-là, c'est de l'expérience qui a rentré. On utilise des façons ancestrales et des anciennes façons pour travailler en apiculture parce qu'on a comme pas le choix. Il y a plein de choses qui se sont modernisées. Entre autres, le transport des ruches, maintenant, ça se fait avec des 10 roues. Quand on a commencé, on était avec un vieux tracteur parce que les ruches étaient ici, aux alentours. Puis aussi, avec maintenant des chariots élévateurs, on lève les palettes parce que toutes les ruches sont sur des palettes. Si on pense à l'emballage, aussi à l'embouteillage, anciennement, on embouteillait un pot à la fois, à la main. Maintenant, c'est tout automatisé, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on n'a vraiment pas le choix d'augmenter la cadence, d'aller plus vite parce que tout est vraiment plus rapide partout. Les deux fils prennent la relève, bien entendu, donc eux aussi ont appris le vieux métier. Travailler dans la ruche à la main, ça va toujours rester quand même. Il faut que je vous conte une anecdote, c'est qu'au début, quand on a débuté la pollinisation, on commençait à 7h30 le soir, puis on finissait à 8h le lendemain matin, puis on transportait 150 ruches pendant toute notre nuit. On était donc fiers quand on rentrait le matin pour déjeuner. Hey, on a déménagé 150 ruches. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 ruches par nuit avec des 10 roues, puis des vannes, si on peut appeler ça comme ça, puis les chariots élévateurs. Donc, c'est plus ce que c'était. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est la plus grosse ferme apicole au Québec avec plus de 10 000 ruches, 3 fermes en production. Donc, on voit là que c'est plus le miel d'Émilie, la même chose que c'était il y a 40 ans.